Allez, on continue la présentation des nouvelles recrues ici à Carcassonne avec un Écossais qui arrive depuis quelques jours ici à Carcassonne. C'est Scott Newlands. Est-ce que Scott, vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Scott Newlands, j'ai 28 ans. Je suis troisième ligne, 6 normalement, mais 7-8 aussi s'il y a besoin. Alors justement, vous êtes Écossais. Est-ce qu'on peut connaître votre parcours depuis quand vous avez joué au rugby et puis dans quel club vous êtes passé? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé le rugby assez tard, vers 15-16 ans. J'ai joué dans une petite ville qui s'appelle Kelso. Après, j'ai signé mon premier contrat pro vers 20-21 ans avec le Border Rivers à côté de chez moi. Après 4 ans avec Edinburgh. Et là, je viens de partir d'Oriana où j'ai joué 3 saisons avec eux. Alors, vous nous dites troisième ligne, 6, 7, 8, pas de préférence, 6, quand même, c'est un poste qui vous intéresse plus. Oui, 6, c'est ma préférence. En fait, entre Écosse et la France, le poste de 6 et 7 sont pas pareils. Donc, je trouve que je suis plus un 6 ici qu'un 7. Alors, vous découvrez la ville de Carcassonne et puis le club. Comment se passe votre intégration dans cette nouvelle équipe? Oui, très bien. On a fait un stage ensemble et ça s'est très bien passé. J'ai voulu faire d'artifice avec quelques joueurs là. C'était lundi soir et ça s'était bien aussi. Alors, on parle du stage un petit peu parce que le stage était avec les militaires du 3e RPIMA. Stage compliqué, stage intéressant, stage difficile? Oui, physiquement pas très très dur, mais on a fait des choses qui n'étaient pas très agréables. Comme on a dit, on a mangé un sardine cru. On est arrivé vers 2h du matin avec les bombes et les fusils. Ça, c'était pas très agréable non plus. Mais oui, ça s'est bien passé quand même. Allez, est-ce que vous pourrez, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, nous donner votre meilleur souvenir en tant que joueur professionnel? Quand j'ai gagné la Pro D2 avec Oriana, ça c'était bien. Chaque fois qu'on a gagné contre l'Angleterre avec l'équipe de Corse, c'était énorme aussi. Écoutez, on va vous remercier et puis surtout vous souhaiter une très très bonne saison du côté de Carcassonne. Merci beaucoup.